Bienvenue à tous dans l'épisode numéro 71. Je pense savoir à qui il faut donner le marteau. Parce qu'il y a un mec, il nous réclame des outils. Depuis un bon moment déjà. Et maintenant je pense qu'on peut l'aider. Ce marteau me plaît, il me serait fort utile. Veux-tu me le céder contre un trésor légendaire que j'ai trouvé lorsque j'étais explorateur ? Ouais, j'ai des doutes, mais pourquoi pas? La flèche de feu? Cette flèche enflammée utilise de la magie et délivre une puissance incroyable. Ok, mais c'est toujours un objet de troc. Ah non! C'est une vraie flèche. Alors attendez, à quoi ça peut servir? La flèche de feu... Est-ce que ça peut m'aider dans le temple de l'eau, par exemple? Je sais pas du tout, là je bloque. En plus, ça utilise plein de magie. Flèche de feu, flèche de feu. Voilà, c'est bon, j'ai récupéré mon énergie magique. Donc j'ai fini en tout cas le troc de cet objet-là, apparemment, puisque la flèche de feu, c'est pas quelque chose qui s'échange. Bon, je peux toujours aller voir au temple de l'eau, hein. Temple de l'eau, on va passer par le futur. Ensuite, le présent. Ensuite... À la rigueur, c'est... C'est peut-être plus facile de passer par là. Champ du temps inverse. Ouh, ça glisse. Temple de l'eau. Je suis bloqué dans ce temple depuis... je sais pas, l'épisode numéro 43, quelque chose comme ça. Enfin, pas forcément bloqué, mais je l'ai commencé il y a super longtemps. Ah, voilà. C'est le fameux trou. Du coup, voilà. Je suis débloqué! Je savais depuis très longtemps que qu'il fallait tomber du plafond, là. Ou alors qu'il fallait avoir un super grappin qui pourrait s'accrocher au coffre. Mais bon. Donc maintenant que j'ai la clé... il faut juste que je retrouve la porte. Là, il y a un coffre... oui, j'ai pas encore la capacité, c'était ça. Ah oui, c'est la porte du mini-boss. J'ai pas encore la capacité d'éteindre les torches, et c'est cette capacité-là qui me manque pour finir le donjon. Et logiquement, quand après le mini-boss, on aura la baguette de glace pour faire ça. Non, c'est pas par là. Combien d'heures j'ai passé à faire des allers-retours dans ce donjon? Ouh! Bon, vu qu'il a l'air d'être un monstre de glace, j'ai tendance à prendre la baguette de feu. Je peux le blesser que quand il se sort. Bon, bah ça va, c'était pas dur, hein. Tu as trouvé la baguette de glace! Tu peux désormais geler les ennemis à distance! Et surtout éteindre les torches.
D'accord, donc maintenant il faut retourner dans toutes les salles où il restait au moins un coffre. Ça veut dire qu'il y avait des torches à éteindre en fait. Je peux plus passer là. Et là, il fallait... Ah oui, il fallait passer comme ça. Et donc, on avait commencé le temple de glace il y a longtemps. De l'eau, pardon, il y a longtemps. J'avais commencé le temple de l'eau il y a longtemps. Et entre-temps, j'ai fait le temple de l'air, le temple de la terre et le temple du feu. J'ai toujours pas fini celui-ci. Comment on fait pour... Non, c'est pas par là. Éteignons ces fameuses torches. Et dans le coffre, une petite clé. Merci pour l'énergie magique. Alors après, on peut... Elle est là. Ce coffre-là, ça me rappelle rien. Mince, je peux plus passer. Faut que je passe par là. J'étais en train de penser à autre chose en même temps, excusez-moi. Ah oui, c'est pas par là. Ah, combien d'heures j'ai passé dans cette pièce. Donc voilà, le coffre que je me souvenais plus. En fait, j'ai pas toutes les gemmes. J'ai une deuxième clé, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Faut que j'aille voir par là-bas. Allez, on va retourner au moins un. Pas par là. Donc là, je suis au moins 2. Non, c'est par là qu'il faut que j'aille. Ou alors par là, c'est la même chose. Disons que c'est le même problème, en fait. C'est des endroits où je suis bloqué parce que je peux pas détruire ces torches. Alors, est-ce que c'est pas la baguette de feu ou la baguette de glace? Ah là! D'accord, la baguette de glace, ça crée un chemin sur l'eau. Waouh. Ah, donc là, ça va me débloquer pas mal de choses. Il y a plein de donjons où il me restait des vases que je pouvais pas atteindre à cause de ce problème-là. Faudra y retourner pour trouver les gemmes de force. Ensuite, ici faut que j'aille en bas à gauche. Non, comme ça. Ah non, c'était à l'étage du dessus qu'il fallait que je fasse ça. Je suis au moins 2. Oui, non, par où on passe? Je sais pas du tout où je vais là. Ah oui, non, voilà, c'est ça. Pourquoi
Pourquoi je voulais aller au moins 1 alors? C'était bien là? Oui, c'était bien là. Donc. Alors c'est là qu'il faut pas aller trop vite. Ah mais des fois il... Bon, je comprends pas bien comment ça marche. C'est pas grave. Oh, j'ai 3 clés. D'accord, tout ça pour ouvrir une porte et pour faire tout le tour. Ah, je peux atteindre ces choses-là maintenant aussi, tiens. Alors, on va s'occuper de ça. Il va falloir que je gèle le plus possible par là. Cool. Une gemme de force. 40, ça y est. Non seulement j'en ai 40, et en plus j'ai toutes les gemmes de ce donjon. Pourquoi je suis tombé là? Oups. D'accord. Ensuite, alors il faut que je retourne. Hein? Ah non, bah c'est juste là. Ou pas. Là, je peux pas passer. Ah, bah, je pense qu'il faut éteindre les torches. Voilà. Encore une petite clé. Encore une petite clé. Et on arrive ici. Ça sert à quoi de faire ça? Ça sert à quoi d'avoir fait ça? Il faut... Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Ah oui, d'accord. Il faut que j'éteigne cette torche. Mais je la voyais pas de loin. Donc faut recommencer. Allons-y, allons-y. Hop, mince. Et donc, depuis ici, je peux tirer une flèche. Baguette de glace, voilà. Et là, la clé du boss, logiquement. Voilà! Non, c'est pas par là? Si, c'est par là. Salut le boss! Faut utiliser quoi, la baguette de glace? Ou la baguette de feu? Oula! Quelle horreur, ça glisse! Alors, j'ai pas bien compris, est-ce qu'il faut lui... Juste lui donner des coups d'épée? On dirait que les coups d'épée fonctionnent. Est-ce que j'ai encore des potions? J'ai encore une potion rouge. Bon bah voilà, on va faire ça, c'est tout hein. J'ai largement assez de cœur, et voilà, c'est terminé. un peu facile. Une gemme bleue, ça alors, c'est très inattendu. Ouais, je souhaite sauvegarder ma partie. D'accord, donc ce donjon est terminé. J'ai 40 gemmes.
Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais prendre mon envol. Et acheter des potions. Enfin, une potion. Potion rouge, 15 pièces d'or. Ah bah oui, c'est vraiment pas cher. Quoi d'autre? Vu que j'ai 40 gemmes, je vais acheter une amélioration de celle qui me manque. Je crois que c'est amélioration d'attaque. Non, de défense. Ouais. Et il me manquera plus qu'une bouteille. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il reste plus que 20 gemmes dans le jeu? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai tous les objets. Enfin, mon inventaire est plein, sauf la bouteille, et je sais où elle est. 0 gemmes. Après... Il me reste encore un tout petit peu de temps pour faire une petite quête annexe. Rien en fait. Si. Waouh. Donc je pense que vous avez compris quelle est la quête annexe qui m'intéresse. Est-ce que je peux y aller plus rapidement avec le champ de l'envol? Ouais. Donc là, il a augmenté mes flèches, encore mes flèches. Flèches. J'ai pas assez. Mais si, j'ai eu 900 machin. Ah, donne-moi 999, j'avais même pas lu. Ok, donc j'ai 30 bombes, 70 flèches. Et après, elle veut plus rien de m'augmenter, elle veut juste 999. Donc on va retourner à la banque. Je suis un peu bête, c'est pas du tout par là le plus rapide. C'est par là. Village Cocorico. D'accord, est-ce que je peux arriver à 999? Ah non. Enfin, je pense pas. En fait, j'en sais rien. Je sais pas combien j'ai dépensé. Oh, si, on va peut-être y arriver. Je suis riche, mais pas pour longtemps. Ton stock de bombes se restitue. Waouh, génial. Ouais, d'accord. Bon, là, j'ai pas les moyens, par contre. Je vais quand même voir combien je peux avoir de rubis maximum, de Ganon d'or. Alors, je vais essayer pour les bombes, là. Oh, ça va, ça se reconstitue vite. Enfin, quelques secondes. Ouais, c'est pas mal. Et les rubis? 111 Ganon d'or. Bah, c'est pas la peine puisque j'arriverai pas à 999. Ok. Bon bah, tout ça c'est cool. On a enfin fini le temple de l'eau. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les 7 cristaux. Enfin, on en a 3. Il va falloir essayer de trouver les derniers cristaux. Il nous reste les quêtes annexes. Les choses à échanger, des fragments de cœur, les gemmes. Trouver toutes les gemmes de force pour accéder à la...
Et un tour de glace. Ouais. Bon bah on fera ça tout ça. On fera tout ça prochainement. Salut à tous, à bientôt.